Principal, monsieur le député de Bourgeois. Monsieur le Président, chaque année, des milliers de nouveaux arrivants immigrent au Québec sans parler français et sans participer aux formations d'intégration du gouvernement. Selon le dernier rapport annuel du ministère de l'Immigration, près de 45 000 immigrants adultes sont arrivés au Québec sans connaître le français entre 2009 et 2012. De ce nombre, environ 18 000 n'ont pas participé, après leur arrivée, au cours de français offert par le gouvernement. Pour ce qui est de l'intégration, il existe plusieurs formations offertes, mais malheureusement, le taux de participation des nouveaux immigrants à ces formations est très faible. Par exemple, seulement 13 000 des 55 000 nouveaux immigrants de 2012 ont été sensibilisés aux valeurs communes de la société québécoise, soit à peine 23 %. Les initiatives du ministère pour franciser et intégrer les immigrants rejoignent donc un nombre limité d'individus. Monsieur le Président, quels sont les objectifs de la ministre de l'Immigration pour la francisation et l'intégration des nouveaux immigrants? La ministre va-t-elle mettre en place des mesures concrètes pour remédier à la situation?